Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Retro World et de Pêcheur. Toujours avec notre ami Dark Mist. Ah oui, et aujourd'hui, on se retrouve sur une série très intéressante. Voilà, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur The Simpsons. Une licence qui était très prolifique hein, dans les années 90 et peut-être début 2000 à peu près, aller jusqu'à la PS2, Xbox, GameCube. C'est une série qu'on voit beaucoup moins, je trouve, ces dernières années, en jeux vidéo. Ouais, en jeux vidéo, ouais. Non, ouais. Ils ont fait une apparition dans Lego Dimension. Ouais, oui, non, mais voilà. Mais je te parle de vrais jeux, moi. Bah, c'est un vrai jeu, vraiment les dédié Lego Dimension. À... Ah oui. Voilà, je veux dire, pas une featuring, je veux dire, dans Lego Dimension, il y a Sonic, quoi, si on va par là. Oui, c'est vrai. Ok, bon, on va lancer le jeu, je pense. Hein. Ouais. Donc, un beat'em all datant de 91. Alors, vous cassez les oreilles maintenant. Oh, le diamant. Voilà, Butter, s'il a tout fait casser. Ah, j'ai rien fait. Ça commence déjà mal. Si, ouais, t'as fait exprès. C'est quand t'as appuyé avec tes crédits. J'ai entendu trop t'appuyer sur le bouton. Oh, ils ont kidnappé Maggie. Non. Allez, coup d'espiro. Donc, bah, forcément, comme on parlait avant de commencer ce let's go. Oh! Ah, comment tu t'es fait éjecter ta race? Il faut pas aller à la porte. Ah! Il plotte marge. Regarde, coup d'espiro. J'étais là, j'étais pas à la porte. Aïe! Aïe! Donc, un jeu bah, qui respecte quand même assez bien. Le... Ah non mais ils sont sérieux les mecs. Ah mais c'est bien parce qu'il y a des comment dire, il y a des petites je sais pas comment dire ça, des petites animations. Oh relis, le cochon, Spider cochon. Bah techniquement il devait pas exister à cette époque de Spider cochon. C'est vrai. Ah il y a le principal. Monsieur Skinner. Monsieur Skinner. Avec l'intello. Avec Martin. Martin Mystère. Ah, il y a la voiture au chef Wiggum. Ouais. Il y a les pompiers. Les pompiers. Ah, attention. Ils nous attaquent. Ah bah, c'est pas des gentils, les pompiers. On est dans une ville de barge. Hein. Bande de ville gredin. Je comprends que vous nous attaquiez. Mais... On se calme. Des pommes. Ah, mais voilà, Homer, il a encore bu trop d'œufs. Non, j'ai mangé une pomme. Ouais, ça... Cool. Ah, dès qu'il y a de la bouffe et tout, le mec se prend dessus. Ah, une boule. C'est qui, c'est... Ah, mais c'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle, il me semble qu'on voit dans l'anime. Ah, dans l'anime. Dans ah, c'est pas animé, le... pardon. Je me crois que j'app... C'est pas le gros qui boit des bières. Si, je crois, mais j'ai pas son nom. Qui rote tout le temps, là. Non, toi tu te trompes avec Barney. Ouais. C'est ça, je crois. Ah, c'est pas Barney. Non, lui, je crois que c'est un catcheur ou un lutteur, il me semble. Un peu comme il y a Tatou pour la boxe. T'en es sérieux, là? Le mec, il rajoute des... C'est bon, t'es à 99. C'est jamais assez. Bah, j'aimais pas le chiffre que j'avais. Ouais, parce qu'il était moins que le mien. Bah non, en fait, j'ai pas comparé, mais j'ai compris que c'était les vies, alors je me suis dit, tiens... Ouais, je suis à 20. Je crois que c'était les scores, tu as 17. En fait. Bah, les scores, c'est au-dessus. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Krusty. Eh non. Oh, Maggie. Oui, parce qu'elle elle est en train de sucer le diamant. Ready? Voilà, on bourre. On s'est fait défoncer par l'ordi. Ouais. Et t'es deuxième. C'est pas juste parce que tes cheveux sont droits et sont grands. Ah bah, ça égalise nos scores. Ah, j'étais pas loin du premier.
Krusty Land, yeah! On va à Krusty Land! Ah, Barty pouvait être là. Il aurait été heureux. J'aurais fait un gamin. Oh, Krusty, ouais. Je vais le défoncer. Mais ça, c'est de la faute à Homer encore. Mais dégage. Je crois que ça nous a pas donné le point en fait, donc si on gagne pas, ça sert à rien. Voilà, on peut prendre les boîtes mail, les poubelles ou je sais pas quoi. Les boîtes mail, comment j'appelle ça moi? Ah, gars, il y a Maggie là-bas au fond! Bah ouais, elle essaye de sortir du truc, elle est coincée. Mais non, c'est pas Maggie. Oh, petit Papa Noël. Arrête de savater, petit Papa Noël. Alors par contre, il n'y a pas de shop. C'est un peu dommage. Bonjour, je voudrais des donuts. Ah, il y a Milouz. Oh, joli, t'es... Ah, ça va, j'ai rien dit, Milouz. Ah, parce que s'il y avait problème, regarde-moi, je tape les pieds. Ah, tu peux faire les deux boutons en même temps. Sauter... Okay, salaud, faut que je me débarrasse de mon arme. Ah, je savais pas que ça faisait ça. Mais je sais que mon gars, il fait ça. Boum boum. Boum boum. Boum boum. Il le fait à la Liu Kang. Qu'est-ce que tu veux, toi? Regarde, c'était même pas Krusty en plus. C'est Michael Jackson. Il balance son chapeau. Ah, il y a Homer derrière. C'est pas Homer, c'est un singe. Puisque c'est moi, Homer. Non, toi, t'es un clone. Ah, y'a un ours. Oh là. On va essayer d'échapper. Ah non, calme-toi, le jeu. Oh, y'a un lapin. Oh, y'a un Krusty. C'est un faux Krusty. Un poster. Vous avez des problèmes? Il va falloir bien se calmer, hein. Non mais c'est bon, C'est même pas les vrais Michael Jackson, en plus. Non, ce n'est pas le copie. Ouais. Le vrai, il est plus gros. Oh, Twitter! Merci, Mathieu. Et le chat, là, oh. Boule de neige boule de neige. 8. 45. C'est quoi ça? Moi j'ai un ballon. Note à moi-même, il me met des mains au cul quand je suis mal placé, pervers. Et quand tu le tapes et il rebondit contre l'écran, il te retombe sur ta tête. Et il fait mal. Eh, mais pas, mais t'es tout cocu. Ah, super marge. Ah, il met les mains au cul. Homer, fais quelque chose, il plotte les fesses. Oupinaise. Oupinaise. Tout. Il va péter. Bah il peut péter autant qu'il veut, moi je m'en fous. On se déf. Ah bah toi t'es tombé à côté. Ouais mais... Genre après tu m'as rattrapé. Ouais. Là je suis plus gros. Ouais. Ouais, il y a eu mytho. Gravité, voilà. Là, je vois pas le rapport, t'es tombé de l'autre côté. Alors on a pas eu de bonus. Non. On est tombé de l'arbre. Ouais, forcément t'es le seul qui est tombé à côté de l'arbre. Non, je suis tombé dans l'arbre aussi. Ça se calmer avec son parapluie. Ah ah, je t'ai grillé. Ah, une grenouille. Mais sérieux, quoi. Aïe. Ces musiques qui font tellement époque. Je t'ai cru que t'allais nous faire peur avec ton vieux truc de fantôme. Ouais, je crois qu'il essaie de te faire peur. Tiens, bah, ils savent que t'es un trouillard. Oh. Alors toi. Ne tape pas ma marge.
Oh monsieur, laissez Mickey tranquille. Bon lui il veut pas venir. Enfoiré. Wow. C'est quoi ça? C'est qui contrôle? Bah moi je contrôle. Moi aussi. Bah ouais, tu contrôles ton bonhomme, je contrôle mon bonhomme. Ouais, contrôlons-nous. C'est pas le truc bizarre. Ah ah! Y'a des zombies. Ah bah voilà, y'a Butters. Butters c'est une apparition de Simpson, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a la fronde à barre. Il y a la clé. Ah non, la fronde. Franchement, quoi. Wow. Ils se sont présentés là, encore. Je suis en Wonder Woman. Wonder Woman, oh. J'apprends. Ouais, quand je pop. Non, mais c'est très actuel en plus. Voilà. Vu que le film est sorti. Le film de quoi? Bah, le Wonder Woman. Ah, bah oui. Donc, tu vois, le Wonder Woman. Je suis encore bloqué sur Supergirl. Peter, celui-là, a été voir la momie, il s'est dit ce sera mieux. Non, je suis un peu déçu qu'ils ont fait un remake de la momie. Ouais, j'avoue que je suis d'accord là-dessus. Parce que, à la base, la momie, c'était un film marrant. Oh. Parce que c'était avec Brandon Fraser, c'était exprès pour qu'il soit... comment on appelle ça? Lui, il est dans le comique et tout ça. Chose que j'avais bien aimé, là, c'est pure action. Le mec, il a des mitraillettes et tout. Non, attends. Oh, bah c'est juste pour les gamins, là. Mais ils sont tombés tout seuls. La momie, c'était pour tout public. Là, c'est devenu n'importe quoi. Ah bah j'avoue que oui, les momies étaient sympas. J'aimais bien le côté déconnade. Ah, et puis il y a mon passage préféré, moi. Je pense à un de mes passages de tous les temps. Ils ont fumé aux Russes. Ah, c'est la phrase que je dis à chaque fois que je le vois. Je peux pas m'en empêcher, quoi. Et là, voilà. Je sais pas, c'est un peu la base. Bah gros, pourquoi t'as pas pris le hot dog? Je sais pas, mais mon bonhomme, il va vite d'un coup. Il faut de la drogue. Qu'est-ce qu'il nous veut, les Blues Brothers, ça? Mais qu'est-ce que vous voulez? Bah, je pense que ça y est, c'est le moment où on leur défonce la gueule. Il était temps, j'ai envie de le dire, depuis le temps qu'on les voit pop. C'est cool, j'ai réussi à leur mettre un coup sur le pied, quand on était chez Krusty. On était questioning. Calme-toi, s'il te plaît, le jeu. Calmez-vous. Bah oui, bah en même temps, voilà, je suis démoulé. Aïe. Bon, on a eu le grand. Qu'est-ce qu'ils veulent, l'oreille Army, là? Oh merde, ils ont frappé ta femme! Ben voilà, on a le deuxième. Ça fait plaisir. Pénétrons. Mo Taverne, stage 4. La taverne de Mo. J'aime bien la taverne de Mo. Oh! Il nous fait quoi le balai? Mais il leur arrive pas, les mecs! Ils sont vénères, ils ont dû manger un des œufs de moi. Bah, je pense, ouais. Rembourser! Mais il faut leur dire que c'est pas de notre faute, ami. Comment tu t'es fait baiser? Oh non, mais elle m'énerve, je vais la défoncer! Ah bah je t'ai prévenu, il y avait la dame. Ah bah il est là. Salut Mo. Bernabé. Ah il est le gros Barney. Allez casse-toi Barney.
Hey Mou! Mais qu'est-ce qu'ils me veulent les vieux là? Mou! On est mort en même temps. Ouais, on s'est fait... On s'est fait matraquer la gueule. Ça va Mou? Bien ou quoi? Un petit problème en ce moment? Il y a des rats dans la boutique. Il y a toujours des rats dans la boutique. C'est les rats qui tiennent les murs. Il y a des cafards qui tiennent les murs, qui déplacent les verres. Ah, il y a Maggie à la télé. Ah, notre ami... comment il s'appelle lui? Jean-Sif Sanglante. Et il nous dit d'aller là-bas, je crois. Eh, c'est pas... Ah non, c'est une fausse mec. Merde. Ah, mais lui, je monte sur le billard, Osef, il met un vent. Il descend. Tu l'en as des... Des trucs de fléchettes. Ouais, c'était des mafiosis, ils étaient cachés dedans. Il y a pas autant de... Il y a des bandes d'arcade. Il y a l'arcade Simpson Konami. Pas mal l'auto-prod. Avec... t'as vu, il y a Alien aussi. Ouais. Non, mais en plus, ils ont bien mis les 4 manettes. Ah non, par contre, là, c'est dégueu. Là, ça se fait pas. Ah ouais. Ah, je m'en suis pris une. Bah oui. Ah moi aussi, je m'en suis pris une. Là, je vois ce qu'on veut dire, c'était forcé. Allez, fais de la roulette. La roulette, bienvenue. Un deuxième bar. Mais... C'est le boss, non. Ça. Ouais. En tout cas, je veux pas dire, mais son bar, il est énorme. Hein. Ouais. Non, c'est... C'est suspect. Il est pas aussi grand d'habitude. Même la version remixée du bar branché, elle est pas aussi grande. Même quand il fait un casino. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a, ma grosse tanche? Je trouve qu'on retrouve un peu ce côté Astérix, mais dans le monde des Simpsons, et je trouve que ça marche plutôt bien. Hein. Ouais. C'est assez réussi. Mais le Astérix avait peut-être un gameplay un peu plus varié. Oui, il était... Ouais... Peut-être légèrement. Ça manque peut-être d'un petit truc, là, je trouve, dans le gameplay sur celui-ci. C'est peut-être un peu très répétitif. Ah, la butte de Springfield. Le mont Springfield, Jebedia. Ah, il l'a balancé là-bas. Ouais, il y a tellement de passages secrets. Mais après, les animations, etc., elles sont bien foutues. Donc ça me déplaît... Pas spécialement. Ouais, j'étais en train de chercher pourquoi je dis déplaît. Bon, le seul truc, c'est qu'on ne peut pas choisir son perso. Je trouve ça un peu dommage. Bon, en même temps, on aurait pu se dire on se met en 3, 4 joueurs, etc. Quoi, ça, c'était faisable. On aurait pu même prendre deux persos chacun en ajoutant un qui prend le troisième, un qui prend le quatrième et gérer... un double perso. Tout ouais, est possible sur l'émulation. Oui. C'est l'avantage. Oui, si tu veux, on aurait pu prendre un Barthes et Homer. Voilà, par exemple. Oh. Moi, je fais défoncer le cul par des abeilles. Oh. Tiens, tu dois être contente. T'as eu du miel. Bah, ça tombe bien. Hier, on m'a dit qu'il faut être un peu plus mielleux. Voilà, parce que des fois je fais des trucs en dehors de Let's Play, etc. Et voilà, il y a des gens qui me disent ce qui devrait être intéressant. Donc on m'a dit de faire des massages et de me faire masser. On m'a dit d'aller à l'aéroport aussi. Ça, c'est l'idée la plus géniale que j'ai trouvée, mais dans le concept seulement. Parce qu'on m'a dit tu vas à l'aéroport, tu pars une semaine en vacances, sauf que quand tu vas à l'aéroport, en fait, tu prends un des premiers billets disponibles. Alors moi j'ai dit ouais d'accord, le concept il se tient. Ah oui, il y a la rage. Je vais arriver là-bas, mais si j'ai pas de passeport, j'ai pas de visa, je fais comment pour rentrer dans le pays? Voilà. C'est vrai. Et bon, comment ça peut être imprévu de faire ça? Tu peux pas partir dans un pays comme ça à l'arrache, c'est pas possible. Ça marche que dans les films. Voilà.
Ouais, et puis il faut avoir de l'argent pour sur place pouvoir payer rien qu'un truc pour dormir, etc. Oh, que si c'est pour faire une semaine clodo. Un poisson 3 yeux. Autant faire le clodo ici. Autant rester en France. Je fais une semaine de clodo et c'est bon. Ah ah, moi aussi j'en ai un. Oh, super raton laveur. Regarde, je balance des ratons. Oh, Tahiti Bob. Voilà, donc oui, ça m'a fait bien marrer, je dois le dire. J'ai trouvé ça super standard, moi, ce genre de... je ne sais pas comment dire ça, des suggestions. Voilà, des magnifiques suggestions à suivre. Autant oui, les massages... c'est parce qu'ils ont vu ça dans une série ou un film. Non, mais autant les massages, j'ai dit ouais, d'accord. Ah, dommage. C'est cool, les rochers, ils tapent aussi les ennemis. Ouais. Ah, oh. Lui aussi, il fait des roulades. Mais oui. Prends pour qui, Winnie l'ourson, là? Qu'est-ce qu'il veut, Winnie l'ourson, ouais? Winnie caca. Ou l'autre, là, comment ça s'appelle Yogi Beer. Yogi, là. Non, c'est Yogi. Mais calme-toi les jeux, s'il te plaît. Je te boite les fesses, moi, je suis Marc Simpson. Je suis pas de la déconnade. Aïe. Veux-tu bien fermer ta gueule? Ah, c'est la bonne. Ah oui, c'est de la bonne. Hein? C'était un mec en fait déguisé en ours. Hop and down. Guys, allez! Y'a Maggie! Maggie! On va dans l'eau! Allez, les parents super vénères quand même! La carotte! On s'est fait baiser! Il faut que tomber dans le jeu! Tu passes ton temps à tomber! Bah, j'ai les pieds dans l'eau! Ma robe elle est déchirée! On va voir ma fesse! On va voir ma fesse! Non, droite. C'est l'herbe! Parce que j'ai vu que j'avais le même déchirement sur mon. Sur ma chemise. On est à Dreamland. Oh, des donettes. Ah bah on est dans des rêves de merde. Je m'y connais pas. De tout le monde. Des cartes. Ouais, sauf que pour l'instant c'est le tien. Bah non, il y a du Krusty. Ouais, non mais Krusty, ouais, mais je parle des ennemis, moi. Oh, une étoile. Ah donc. Bon, ça me donne envie de manger des donettes. Je devrais aller à Carouf après me chercher des donettes. Springfield, ouais, t'as vu Springfield l'école. Ah, les trucs de miniseur. Eh oui, il y a l'école primaire de Springfield. Putain, ils sont relous, ils ne laissent pas me relever. Ouais, non mais c'est abusé, tu tombes au sol, t'as pas le temps. Il y a nos tailles. C'est l'agression. C'est quoi, c'est un boss ou quoi ce truc? Non. C'est des saxophones. Ouais bah ils sont solides les saxophones. Il y en a un, il s'est barré. Ah bah non, juste quand je vais lancer un G. Pour pas lancer des culs. Il n'y a pas de cul dans Maggie. Bah justement. Oh tu leur as coupé la tête. Ah ouais, moi je suis un ouf. La centrale nucléaire. Calmez-vous, bande d'enfoirés. Des zombies. Bah, on est plutôt dans des délires, donc il y a même pas besoin d'expliquer. Oui, c'est des combinaisons. Voilà. Ah, c'est la maison des Simpsons. Ah, des Bart méchants. De toute façon, j'ai toujours dit, c'était de ta faute. C'est de la faute à Homer qu'il soit méchant comme ça, Bart. Voilà. Ah, il n'a pas de modèle. C'est important d'avoir un père en modèle. Un ouais. Qui dit les conneries qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il aime bien Flanders. Ouais. Ouais, j'aime bien ce petit passage pour marrer. Avec leur petit chocolat et tout. Un basic. Et lui met au bord de l'arbre. Oh, j'aime pas trop ça.
Ouais, ça va. Ouais, tu vois, c'est encore toi. Ah merde. À la fin. Il y a une petite larmichette. Ouais, non, mais c'est trop chaud d'anticiper le pattern là. Non, il n'y a pas de larmes. C'est saisi. Si, à un moment, il a eu une petite larme. Tu crois? Ouais. Parce que là, on l'enchaîne pas assez, je pense. Ah ouais. Ah non, ça c'est bon. Regarde, tu vois, il y a des expressions genre il se marre et tout. Et là, il avait une petite larme. Enfin, son pattern, il est dégueulasse par contre. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait là, gros pâté? Non, gros pâté, t'as déjà utilisé pour me faire marrer, ça ne marchera pas cette fois-ci, monsieur, je tenais à vous le dire. Voilà. Tiens, ah oui, là, ah, là il y a des larmes. Là, il avait les deux. Double larme. Ah, mais là, il jette des missiles. Ah bah les mecs ils sont pas là pour rigoler. Par contre les boss et tout c'est bien, leurs patterns sont très changeants. Les mobs aussi. Là je trouve ça cool par contre. L'ours par la roulade. Ouais non mais par l'ours, voilà. Calme-toi les jeux. Puis je t'ai fait rire dans l'épisode d'avant donc. Ouais je sais. Je peux pas là, le faire dans tous les épisodes. Faudra que je rajoute le compteur. Le compteur perdition. Mais j'ai sauté Non mais attends, jamais il meurt lui. Bah ça y est. Oh si, oh là là. Ah bah non. C'est un vlog, il boule. C'est bon, c'est fait. Restons calmes. On se réveille. Oui, il faut retourner sauver Maggie. Ah, tu vois que c'était pas l'herbe. Si, c'est l'herbe. De l'herbe. C'est parce que là l'écran il bouge, mais sinon c'est de l'herbe. Ouais, genre. On regarde ma chemise. C'est de l'herbe. Si, c'est de l'herbe. Ouais, c'est de l'herbe. Oh. Bon du stage. Hey, ready? Go! Allez, réveille-toi, réveille-toi, mais réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ah, moi je me suis carrément raté, bah c'est toi qui as gagné. Bah, j'ai pas compris s'il fallait faire deux. Ils mettent chaque à leur tour après deux fois, alors j'ai pas compris. Je sais pas, moi j'ai appuyé, j'ai bourriné. Moi j'ai rien compris. Oh, Channel 6. Ouais, je vais bourriner, moi je pense, la prochaine fois. Là, si on a la chance. Ah, on va taper la gueule de Tom Tucker. Ouais. Non. Attends, je dis des conneries. Non, Tom Tucker, c'est dans Family Guy. C'est qui le présentateur? Brockman. Ken Brockman, merde. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est. Mais j'ai plus son nom complet. Ken Brockman. Ouais, Ken Brockman, voilà. Ah oui, c'est avec ses cheveux blancs. C'est bon. Ouais, c'est le mec qui est perruque, je crois. Ah, il le. Faut faire attention. Pour ma gueule. Faut faire attention quand ils ont bien. J'ai envie de dire bien tenté. Bien vu. Bien vu le ch'tu cru. Bien vu l'aveugle. Je t'avais prévenu, tu l'as eu dans le cul, c'est pas grave. Mais lol. Après avoir dépensé 50 000 crédits à deux. Oh non, mais moi j'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter, John. John Amon. Allez, moi je te balance des extraterrestres. Ah, donc, on n'a pas été sur la Lune, c'est un complot. Je préférais vous le dire. Tout ça est de la fiction. On nous aurait donc manqué. Bah, les mignons l'ont prouvé. Bah oui. Wow. Non, mais maintenant ils nous attaquent nous physiquement. Non, mais attends. Ah, le mec il fait des taïoken. Est-ce que c'est autorisé ça, le taïoken? Il s'est pris pour les Men in Black, coucou, il a voulu nous effacer la mémoire. Ah, quand j'entends ça, ça me donne envie de regarder l'effaceur. Ouais, c'est osé, rien à voir, mais. Il efface voilà. Pas de la même manière, mais. Ouais, je sais.
Ouais, mais c'est l'effaceur, voilà. Par contre, l'arme que les mecs utilisent là. Ouais. Elle est géniale. Et puis on baisse pas le syndicat. Cette phrase mythique, je sais que tu l'aimes, je suis sûr. Ah, j'adore. Ouais. De toute façon, tu raterais un éléphant dans un couloir à 8 mètres. Waouh! Look out! Mais non! Oh, le jeu! Oh, t'es ninja! Wow. L'écran est avancé. Il y a une tricherie là-bas. Mais lui, il faut le buter! Bah, je voudrais bien, moi, mais voilà. Faudrait me laisser jouer. Voilà, c'est bon. Si tu me laisses jouer, pourquoi pas? T'es ninja! Oh, c'est Shinobi! Ah, c'est Shinobi du pauvre! On est au Japon! Ouais, ça je ne sais pas, j'irai pas jusque là. Ah si, il y a le mont Fuji! Ouais. Il y a des ninjas qui ressemblent à des guets. Bah, ils ont le droit, hein! Voilà, si tu veux aller tous les ninjas ne sont pas hétéros, hein. Ouais, non, mais respecte-toi, quoi! Oh! Il joue du nunchaku, il fait des esquives! Comme il danse des shoryuken. Il a pas esquivé longtemps! Je balance des billes de. Je sais pas quoi. Voilà, faut pas me shoryukener. C'est comme des ça. Billes, je crois qu'il balance. Voilà, on balance pas des shoryuken aux gens. Encore moi j'ai esquivé son apparition! De toute façon, moi il me fait chier, je l'aspire. Ah, il me fait penser à Ninja Dragon, je sais plus trop quoi, j'en ai joué. Dude machin. Oh yeah, du Kabuki. Ah, ça j'aime. Oh, le Jiraya. On a eu la même pensée. Ah bah oui, en plus ils ont sorti le Yoru. Ah ouais, quand tu lançais la partie. Ouais, je m'en fasse un de ces quatre en let's play, ça, mode histoire. C'était quoi, c'est sur PS2 ça? C'était Naruto PS2, ouais. Ouais, c'est ça, c'est en 2D. Ouais. Ouais, je m'en fasse un de ces quatre, je pense. En rétro, voilà, ça peut être sympa. Regardez, il y en a plusieurs, enfin, il y en a au moins 3 ou 4. On va choisir le meilleur en termes de story. Il y en a où tu pouvais pas te promener dans le village, etc. Il y en a où tu pouvais. Après, il y avait le Chronicles aussi. Ah oui, non, tu parles du premier en 3D, parce que le 2D, il y avait. Bah, ça dépend, c'est quoi le 2D pour toi? Bah, sur. Comme ça, c'est celui où on pouvait monter sur les. En haut ou. Ou être sur le plan d'en bas. Ah oui, non, mais c'est ça que je parle, moi. Les Naruto Ultimate. Ouais, c'est ça, il y en a un, tu pouvais te promener. Ah oui, oui, il y en a un, il me semble, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois. Oui, t'allais dans le. Bah, c'est les combats étaient comme ça. Mais tu pouvais aller dans le village sur certains. Oui, il y en a où le mode story était plus développé. Bah, c'était du cel shading, quoi. Donc, t'avais de la 3D. C'est juste que les combats étaient sur l'horizontale. Un peu comme, je ne sais pas moi, un peu comme les coffres ou les streets. Ouais, c'est ça. Et c'est le mélange des deux, quoi. Mais je sais plus. Ouais, je crois à partir du 2, il me semble qu'ils avaient commencé à mettre un peu plus le story évolué, ou le 3, j'ai un doute, mais je crois qu'il doit y en avoir 4. Puis après, il y avait le Chronicle. Ah merde, j'ai appuyé. Le Chronicle était assez faible. Ah, voilà, Butters il a appuyé, voilà ce qui se passe. Monsieur Burns! Mon petit Burns. Ah bon, on a carrément disparu. Bah alors, mon petit Smithers. On a des petits problèmes. On est vieux, on a fait des bêtises. Non, ouais, il veut sortir avec monsieur Burns. Ah, mais là, il a fait des bêtises. Il a volé un diamant. C'est scandaleux. Foutu. Désolé, grattage de nez.
Et non fouillage, un grattage seulement. Ouais, ça c'est ce qu'il vous dit en... Ce qu'il vous dit, comment dire... À l'antenne, mais voilà. Il faut savoir qu'en fait j'ai un double casque, donc moi j'ai entendu ce qu'il disait pendant qu'il me faisait, pendant que lui avait coupé le micro pour vous. Non, j'avais pas coupé. Putain, que ça fait du bien d'aller chercher aussi profondément. J'avais pas coupé le micro. Mais genre, monsieur, arrêtez. On a très bien compris. On a compris, on a été visiter les grottes de Lascaux. Ça vous regarde. Cela ne nous regarde pas. J'ai envie de dire, vous avez raison. Ah, je voulais prendre, je voulais voir si on pouvait prendre les haches sur le mur, mais non. Oh, mais dis donc. Bah alors, Smithers, ça va se calmer un peu. Putain, mais je vois, je me prends la tribu. Et on va se vénère là. Bah, je crois qu'il est mort. Voilà, ouais. Il suffit de sauter le caisson. Al-Qaïda. Oh, y'a un passage secret encore. Ah bah, oh, ouais, y'a Micah Burns. Oh, Micah Burns. Bienvenue dans votre tombe. C'est ta tombe à toi, ouais, qu'on va creuser, mon gars. Ce tombeau sera votre tombeau. Oh, mais non, je suis passé derrière, j'avais ma touché avec ses bras. Oh, mais du coup. Oh, le pattern box de la dégueulasserie. Bon, est-ce que... J'imagine que c'est lui le dernier boss. Ouais. Vu que Maggie était dans le coin, hein. On approche de la fin. Moi, j'aime bien ce Let's Go parce qu'on peut tellement raconter de la merde et des conneries. On peut parler des choses actuelles qu'on a pu voir ou pas voir. J'adore ce concept de Let's Go pour ça. Je le dis. Moi, phase 2. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle ce film très vieux merde. Jeudi 5. Ah merde, non, Machine War ou je sais plus quoi là, le... Ah merde, je n'ai plus le titre. Ah, ça parle de quoi? On regardait ça gamin. Ah bah je m'en rappelle pas, j'ai pas vu ça depuis gamin. Mais c'est culte. C'est un robot. Ouais, c'est un robot. C'est Johnny 5. Non, je crois pas que c'est ça. Non, non, c'est plus vieux, je crois. Il me semble. C'est pas War Machine, non, c'est quoi, merde. Sur Chenille, je me rappelle de Johnny 5 après. Bah c'est pas spécialement sur Chenille, ouais, quoi que peut-être. Je ne sais plus. Excusez-moi, ça doit dater des années 80. Je suis pas retombé dessus depuis un siècle. Voilà, qu'on se le tienne pour dire. Tu l'as pas en cassette? Bah non, pour ça fait longtemps que moi j'ai plus de cassette. En cassette. Quoi que j'ai un magnéto ici. Oh, t'as un magnétoscope. Ouais. Ça t'embouche à quoi, hein. Ah ouais, là, oui. Mais ouais. On trouve des reliques ici. Ah bah j'en ai des reliques chez moi aussi. J'ai des cassettes. Bon bah y'a toi déjà. Si tu commences par le début. Je sais pas où je les ai mis, mais je crois que j'ai deux cassettes. Je tiens à dire quand même que tes cassettes, il y a plus de chances qu'elles soient moins vieilles que toi. Voilà, ça c'est dit. Ouais, ok. Je crois que j'ai encore en cassette Badak. Waouh. Trunk Story. Ce qu'il nous dit pas, c'est comme il a pas de magnétoscope, en fait il est pas au courant que la bande allait démagnétiser. Ah oui, non mais le truc. Il me fait penser à Dr Doom quand il parle Burns. Écoute deux secondes, tu vas voir. Il dit X. Voilà, par contre si ça bug, voilà, il est tout fait exprès. Non. Eh, on a la fin du jeu. S'il te plaît. Saloperie de Burns. Burns, il a fait sauter le jeu. Ouais, on l'a eu. Maggie, alors, elle lui a tiré dessus. Fort. En sérieux, comme on était trop fort. Bon, on n'a pas vu ce qui s'est vraiment passé.
Jusqu'on était trop Ah, fort. elle lui a Elle a donné le ce diamant dans sa tutut. bouche. Bah oui, depuis le début. Elle t'a été. Bah oui, mais t'as appuyé et tout, tu fais des trucs, on comprend pas ce qui se passe. Non, ça a Maggie! bugué. Tu vois, là, en fait, quand ils se sont tapés dedans, en fait, avec Ouais, ça j'ai vu, l'autre là, bah, le diamant, il est venu dans sa bouche. Et il l'a pris parce qu'elle a sucé le ouais. diamant. Tadadada. Bon, bah voilà, hein. Ah! Je croyais qu'elle était dans les bras, mais non, t'as vu quand elle est tombée? Comme elle Oui. fait d'habitude. Bah oui. Mais en fait, j'ai compris pourquoi elle tombe. Bah parce que sa grenouillère elle est trop grande. C'est à cause de sa grenouillère. Elle marche dessus. Puis à cause de ses jambes de lait. Voilà, Butters il a mis 25 ans pour comprendre ça. Voilà. Non mais vous venez de découvrir ça en live différé. Hein? Butters il lui a fallu 25 ans pour comprendre Non, ça. je savais, je l'ai vu Ouais. depuis le premier épisode. Donc qu'est-ce que je disais il y a 5 minutes? Ah oui. Butters, c'est une relique chez lui. C'est toi la relique. Oh, ils ont jeté le diamant. Parce que voilà, il faut comprendre, Butters, il a 85 ans. C'est pas de sa faute. Voilà, faut être indulgent envers lui. Ah, bah j'ai envie de dire, on dirait que c'est ma semaine. Deux fois prom sur deux jeux d'affilée, je crois que c'est exceptionnel. Ça a marqué d'une pierre blanche. Ah bah ça rebalance direct, non? Ouais, Ah oui. regarde, le diamant s'envole. Ouais mais on m'en fout, Et on hop, finit elle le jeu. suce. Ah ouais, elle l'a attrapé au vol. Et hop, ils D'accord, l'ont c'était chopé. ça. Voilà, Donc, donc bah bah voilà. monsieur Butters, c'est un merci à vous, hein, pour Bah ce ouais, coup, merci à tous d'avoir car regardé moi cet non, je le sais. épisode. Voilà, c'était très sympathique. Hein. Bah, comme j'avais dit, tu vois, on a mis une quarantaine de minutes, on a 42 minutes. Donc bah voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, rejoignez notre confrérie du Let's Copage. Ouais. Voilà. Sachez qu'on a fait plusieurs jeux à plusieurs qui sont sur nos chaînes. Je sais pas si toi tu les as tous. Je ne sais pas ce que tu avais gardé. De quoi les épisodes? Maintenant, des Let's Go qu'on a fait en dehors de ça. Ah, si, Voilà. j'en ai On a gardé. fait du Left 4 Dead, on a fait du Castle Crasher. J'ai Voilà, il y a j'ai vraiment plein Castle de choses à voir. Crasher, puis j'ai des autres aussi. Il faut Voilà, donc c'est regarder sur bien la que ça chaîne. va passer dessus. Voilà, faites un tour. N'hésitez pas à venir délire avec nous, ce sera avec plaisir. Et on se dit à la prochaine. Merci Butters. Ah, ciao Bonne les amis! rentrée.